Salut tout le monde! Bienvenue dans mon nouveau IGTV. Alors, c'est le point de vue de Valérie. C'est vraiment important. Ben non, il l'est pas. Il l'est pis il l'est pas. Bon, il l'est parce que je dis qu'il l'est, là. Mais à part de ça, pour toi, là, qui m'écoutes, là, es-tu réellement tant que ça important? Parce que la seule personne qui devrait avoir un point de vue et qui devrait se fier, ben c'est toi, toi qui me regardes, là. Ben je dis ça parce que dans la plusieurs de mes cours, souvent j'en vois ceux qui viennent au local, à mon centre de distribution, ou encore même sur Internet quand vous m'écrivez des messages, puis que vous me demandez mon approbation, ou pour être sûr, je devrais-tu, est-ce que je peux faire ça? Oh, ma cliente est devant moi, là, je sais pas là quoi faire, est-ce que je devrais faire ça? Ben, le meilleur, c'est de l'essayer. OK, c'est de l'essayer. Voici mon point de vue. C'est de l'essayer. Puis, tellement intelligent, mon point de vue, c'est fou. Non, mais en fait, là, moi, j'ai appris par mes erreurs. OK, ceux qui ne créent jamais d'erreurs, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais rien essayé et sont jamais en train d'évoluer. Donc, si tu crois que tu as tout essayé, mais que tu n'as jamais fait d'erreur, moi, je suis pas sûre que tu aies vraiment essayé grand-chose dans ta vie, malheureusement. Parce que c'est avec ça, et c'est comme ça qu'on a des nouvelles compréhensions, des nouvelles... c'est avec ça qu'on évolue. OK? Fait que... Et vous avez bien beau avoir et me demander mon avis ou les méthodes d'utilisation, les méthodes d'application... Vous avez beau me demander ça, mais est-ce que vous êtes en train d'évoluer? Non. Vous êtes en train de vous fier à quelqu'un d'autre. J'aimerais ça vous fier à vous-même. OK? Fiez-vous à vous-même, pas parce que ça ne me fait pas plaisir de vous répondre puis de vous aider. Sauf que il n'y a pas de meilleure façon de vous aider que de le faire par vous-même. Il n'y a pas de solution miracle. Et c'est ça qui est beau. Puis après ça, là, vous allez être tellement beaucoup plus fier et beaucoup plus en confiance. Parce que la confiance, ça vient de où? Ça vient de soi. Ça vient pas de moi. J'aurais bien beau vous dire, « Oh mon Dieu, tes ongles sont vraiment beaux. Oh wow, ton design est vraiment, vraiment beau. » Peut-être que ça va te faire plaisir. Mais est-ce que ça va donner plus de confiance en toi? Non, ça se peut très bien que demain, tu n'aurais pas plus confiance en toi parce que je trouve vraiment beau tes ongles. OK? Ou parce que ta cliente l'a dit. OK? Fait que ça fait... Non, la confiance, ça part à l'intérieur de soi. Et savez-vous comment qu'on la développe? Avec l'expérience. Fait que c'est avec l'expérience qu'on développe la confiance en soi. L'estime de soi, c'est autre chose. Mais l'estime de soi, c'est difficile à travailler. Ça aussi, souvent on l'a, mais c'est deux choses différentes. Mais la confiance en ce qu'on fait, savoir connaître nos capacités... Ben c'est avec l'expérience et l'expérience demande de faire des erreurs. Fait que sur ce, allez-vous créer plein d'aventures dans ce monde d'expérience. Bye tout le monde!